Bah, on est déçus. Hein. Osaka, c'est quand même une grosse joueuse. Voilà, et on sait qu'elle était attendue sur terre battue. Parce que bon, sur dur, en ce moment, c'est la reine. Il n'y a rien à dire. Et là, bon, bah, on est un peu déçus. Pienso que es muy respetable y es muy admirable, ya que una persona en su condición mental, aparte de sentir toda la presión que se siente en una cancha de tenis, no tiene por qué tener otra presión como de hablar al público. Pienso que las personas deben respetar y apoyar esa decisión. C'est vrai que répondre aux questions des journalistes, ça fait partie du métier de sportif, comme ça fait partie de la vie de chaque personnalité publique. Et effectivement, je considère qu'on se doit de se prêter à l'exercice parce que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'effectivement, la presse s'intéresse à ce que vous faites et par ailleurs, ça vous donne aussi une exposition. Après, je respecte tout à fait le fait que certains n'aient plus envie de le faire ou ne veuillent pas le faire tout le temps. Mais je continue de penser, voilà, ça doit faire partie de ce qu'ils doivent savoir faire. C'est courageux aussi parce que voilà, ça veut aussi dire qu'elle fait un trait sur une partie de sa vie. Par ailleurs, je me suis dit que ça pouvait, que ça devait peut-être lancer une réflexion plus large aussi sur la pression qui repose sur ces sportifs et ces sportives qui en ont une de fait, qui s'en mettent sans doute une supplémentaire aussi par rapport à leurs propres objectifs et que ça méritait qu'on s'y attarde peut-être parce que s'il y a des souffrances derrière, il vaut mieux que chacun puisse exercer sa passion dans de meilleures conditions.正直びっくりしたっていうのが一番なんですけれども、でもスポーツ選手にとって一番大切なのかなと思うので、今まで休めなかった分しっかり休んで回復してほしいなと思います。彼女がこう背負うものっていうのはもう自分だけのことじゃないんで、当然スポンサーなりね、あのマスコミなりファンなり、 もうすごい背中に背負ってやっていかなくちゃいけないと思うんですよね。それがまあトッププレイヤーの責務っていうか、そうなってしまった自分の責任をやっぱり全うしなくちゃいけないことになっちゃうと思うんですよね。普通のね、私たちが考える以上にプレッシャーはやっぱり大きいのかなと思いました。 若くしてトップに勝ったっていうこと自体も本当に想像、私たちは想像できないものがあるのかなという気はいたしました。